fly Gabon. Samba, vol pour nous. Les ailes du Gabon se déploient à nouveau. C'est à l'aéroport international de Port-Gentil que l'avion de la compagnie Fly Gabon a atterri ce 31 août pour la première fois. L'ATR-62-600, avec une capacité de 60 places, a reçu son jet d'eau à l'arrivée, comme le veut la tradition. Voir à nouveau un appareil aux couleurs nationales dans les airs a longtemps été le rêve de plusieurs Gabonais. Je voudrais tout simplement, au moment où je me retrouve ici à l'aéroport de Port-Gentil, saluer la perspicacité du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour la vision qu'il a du Gabon, pour relier les villes, les provinces et faire en sorte que les Gabonais se retrouvent. Un pays a besoin de plusieurs outils pour se développer. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on a tenu toutes ces années et combien d'argent on a perdu sans cette société aérienne. Améliorer le transport aérien dans le pays avec des tarifs accessibles et desservir les villes des provinces de l'ensemble du territoire national, c'est l'objectif de cette compagnie qui a une vision claire de ses activités. Pour l'instant, nous commençons par les aéroports de Libreville, Franceville, Oyem, Port-Gentil et un peu plus tard, Makoku, Tchibanga et tous les autres aéroports qui seront réhabilités par l'État. Pour l'instant, nous avons lancé des tarifs préférentiels pour faire connaître la compagnie. Nous allons dans des tarifs de 70 000 à 90 000 francs. Actuellement, Fly Gabon dispose de 3 avions de type ATR. Pour répondre à ses ambitions, la compagnie est en attente d'un A320 qui permettra durant les prochains mois de lancer les activités hors du pays, notamment sur le continent, puis à l'international.